ciel, rétroverti le bassin, on rentre les rives, les lordoses des lombaires, on serre un petit peu les omoplates, on descend les doigts vers le sol, on reste actif dans les jambes, ouvrir les orteils, bien attraper le sol avec les orteils, serrer un petit peu les adducteurs, verrouiller un peu les fessiers, les hanches, abaisser légèrement le menton et sentir le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. On prend conscience de ses appuis en laissant le poids du corps aller un petit peu vers l'avant, les orteils qui agrippent le sol, puis un petit peu vers l'arrière, plus sur les talons, sans exagérer. Et on vient trouver le centre de ses plantes de pied, il faut vers l'avant, il faut vers l'arrière, mais juste au centre. Le poids du corps récupéré par pied gauche, pied droit, étiré vers le ciel. On prend conscience du souffle, on laisse gonfler le bas-ventre à l'inspire. Et on rentre le nombril à l'expire. On allonge le souffle, on inspire 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Expirez, rentrez le nombril 5, 4, 3, 2, 1, bloquez le souffle. Inspiration 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Expirez, rentrez le nombril 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Inspiration complète, bas-ventre, poitrine, épaule. Expiration abdominale, rentrez le nombril. Expiration thoracique, relâchez l'épaule. Expiration claviculaire, vide épaulaire. Encore une fois, bas-ventre, bas des poumons. Milieu des poumons. Haut des poumons. Expiration abdominale. Thoracique. Clavicule. Les mains en prière à la poitrine. Grandissez-les vers le ciel. Gardez la rétroversion du bassin, rentrez le nombril. Placez les biceps à l'arrière des oreilles. Laissez les paumes de main jointes et grandissez vers le ciel. On emmène le sommet du crâne et vers le ciel et vers l'arrière légèrement. On pousse un petit peu les hanches vers l'avant. On peut regarder les deux pointes d'index. Sentir une légère concavité depuis les talons jusqu'aux épaules en passant par le bas du dos. Inspirez, gonflez le bas-ventre. Expirez, rentrez le nombril. Sentez la concavité qui s'exagère. Puis inspirez, montez vers le ciel. Expirez, ramenez le souffle. Relâchez, montez le bras gauche vers le ciel, rentrez le nombril. Inspirez, grandissez. Et emmenez les doigts vers le ciel et légèrement vers la droite. On étire le flanc gauche, depuis la taille, la hanche, la côte. On ancre bien la plante du pied gauche dans le sol. On relâche l'épaule droite, la main droite glisse, le long de la cuisse droite vers le genou droit. Et on tourne la tête, regardez vers le ciel, le menton haut. Biceps gauche à l'oreille gauche et on étire. Au bout des doigts, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis inspirez, remontez vers le ciel, grandissez. Et expirez, détendez, relâchez. Mettez le bras droit vers le ciel, grandissez. Rentrez le nombril, inspirez, montez. Puis les doigts vont légèrement vers la gauche, on étire le flanc depuis la taille, la hanche, la côte, vers le ciel et légèrement vers la gauche. On relâche l'épaule gauche, on laisse glisser la main gauche vers le genou gauche et on va tourner la tête vers le ciel, le menton haut, biceps droit à l'oreille droite, on étire taille, hanche, côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, expirez, détendez, relâchez. Projetez les pouces, montez vers le ciel, biceps à l'arrière des oreilles, rétroversion du bassin, on rentre le nombril, on serre les pieds, les genoux, les cuisses. Et on descend les fessiers vers le sol. On absorbe le nombril, même si le dos s'incline, il reste droit. Fessier légèrement vers l'arrière. Sans bouger la tête, on peut regarder vers le ciel. Pour 6, 5, 4, 3, 1. Fessier grand, ici inspirez. Expirez, détendez, relâchez. Montez le bras droit vers le ciel, inspirez, grandissez.
La main droite se place entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale. On étire le triceps, on tourne. Triceps vers l'avant, biceps vers l'arrière. Tirez le coude vers l'arrière. Placez la main droite le plus bas possible. Rétroversion du bassin, décambrez le bas du dos. Et redressez la tête au maximum. Venez rejoindre avec la main gauche, le dos de la main gauche qui glisse, qui remonte le long de la colonne vertébrale. Vous attrapez un index, un majeur, peut-être plusieurs phalanges, plusieurs doigts. Essayez de garder les épaules sur la même ligne si on a une épaule plus haute que l'autre. On tire les coudes vers l'arrière, on inspire, on gonfle la cage thoracique, on emmène de l'air dans les épaules, dans les trapèzes, dans les bras, dans les omoplates. Et après l'expiration, on relâche doucement, on récupère ses bras et ses épaules et on enroule de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas et d'avant en arrière. Tranquillement, on inspire quand on monte et ouvre. Et on expire quand on relâche. Côté gauche, montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, montez. Placez la main gauche entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale. Réglez la posture avec la main droite, biceps vers l'avant. À l'arrière de l'oreille, on étire au maximum, on redresse la tête, on décambre le bas du dos, on place sa main gauche le plus bas possible et on vient la chercher avec la main droite, dos de la main qui glisse le long de la colonne vertébrale, essayez de rejoindre un majeur, un index, dès que vous crochetez une phalange, crochetez-en une deuxième, puis tous les doigts, petit à petit, progressivement, tirez les coudes vers l'arrière, inspirez, gonflez la cage thoracique. Gardez bien les épaules sur la même ligne si possible. Emmenez de l'air dans les clavicules, acromion, biceps, triceps, omoplates, épaules. Et après l'expiration, relâchez doucement, récupérez vos bras et vos épaules et enroulez-les de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas et d'avant en arrière, généreusement avec l'inspiration. Il est bien placé à l'avant sur le tapis, on a laissé l'espace d'un pied avec le bord avant. On démarre les salutations. On inspire. Home 1, expirez, main jointe à la poitrine, coude écarté. Home 2, inspirez, grand pied vers le ciel et crochetez les pouces. Les doigts montent vers le ciel, vont légèrement vers l'arrière, on ouvre surtout les aisselles. On ne cherche pas à cambrer le bas du dos pour le moment, mais à monter vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Home 3, je rentre le nombril, je vais chercher loin vers l'avant, puis vers le sol. Les mains viennent à côté des pieds, main gauche à côté du pied gauche, main droite à côté du pied droit. Je rentre bien le nombril, je relâche les épaules et la tête et j'enroule les cervicales. Le menton vient vers la poitrine et le front se connecte sur les deux genoux, genoux pliés si besoin. Home 4, je recule la jambe droite, loin vers l'arrière, pose le genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Quelques micro-mouvements, j'appuie sur la main gauche, sur la main droite. Vers l'arrière pour étirer le psoas au maximum. Je peux aussi attraper mon genou gauche, faire quelques petits cercles dans un sens et dans l'autre sens pour redonner de la mobilité à ma hanche. Puis je vais fixer la posture, passer sur le bout des doigts, remonter le sommet du crâne et le menton vers le ciel. En inspirant, je descends le bassin vers le sol. Home 5, je passe en planche, pied gauche à côté du pied droit, belle planche tonique, biceps tourné vers l'avant. Les doigts bien écartés dans le sol, fessiers serrés, lombaires serrés, rétroversion du bassin, même la nuque reste dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. Home 6, j'expire, je pose genou poitrine sur le sol en pliant les coudes le long du corps, soit les genoux d'abord, la poitrine entre les mains, le front au sol, les hanches ne touchent pas le sol, on exagère la cambrure lombaire pour remonter les fessiers vers le ciel. On serre bien les omoplates, on serre les coudes et on active aussi le bas du dos pour remonter la colonne vertébrale vers le ciel, les hanches décollées du sol. Home 7, je glisse vers l'avant depuis les genoux. J'inspire, demi-cobra, je pose bien mes dessus de pieds dans le sol, je serre les fessiers, les lombaires, décolle les mains du sol en serrant les omoplates, les pieds restent au sol, le dessus des pieds touche le sol. Puis avec les mains, je pousse vers l'avant du tapis, j'inspire encore, cobra, je serre les fessiers un peu plus, les lombaires un peu plus. Home 8, V inversé, les orteils sont dans le sol, bol de pied dans le sol, je pousse sur les mains, bassin vers le ciel, talon vers le sol, je reste actif à l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets,
J'allonge ma posture, je suis bien droit depuis les mains jusqu'au bassin et bien droit dans l'arrière des jambes, actif derrière les cuisses, les genoux, les mollets. Les pieds peuvent rester écartés d'une dizaine de centimètres. Je garde les biceps tournés vers l'avant pour ouvrir les aisselles au maximum. La tête va vers les genoux, voire en regard vers le nombril. Home 9, je ramène le pied droit sur la ligne des mains. Genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. Quelques micro-mouvements, je t'appuie sur la main droite, sur la main gauche. Le bassin qui tourne un petit peu à gauche, tourne un petit peu à droite. Je détends tous les muscles autour du bassin. Je peux faire un petit tour avec mon genou droit dans un sens et dans l'autre sens. Avec de la mobilité dans les hanches. Puis je fixe la posture, petit bien droit, bien perpendiculaire au sol. Je passe sur le bout des doigts, je remonte le sommet du crâne, le menton vers le ciel. Je descends le bassin vers le sol. J'inspire. Home 10, les mains restent au sol, je ramène le pied gauche à côté du pied droit et j'expire en bas, menton poitrine, front au genou, j'enroule bien les cervicales. Home 11, redresse, inspire, les doigts loin vers l'avant. Je pousse sur mes plantes de pied, je grandis vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Home 12, expire, détends, relâche. Inspire. Home 1, expire, main joint. Home 2, inspire, grandis. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Main à côté des pieds, menton poitrine, front au genou. Home 4, recule la jambe gauche, genou gauche au sol, dessus du pied gauche, inspirez, grandissez. Home 5, planche, belle planche tonique, coupez le souffle. Home 6, expire, pose genou poitrine, front au sol, foot serré, omoplate serrée, bassin surélevé. Home 7, inspire, glisse, demi-cobra, sans les mains, puis avec les mains qui poussent vers l'avant du tapis. Home 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Home 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, dessus du pied droit au sol, inspire et grandissez. Home 10, ramène pied droit à côté du pied gauche, expire en bas, menton poitrine, enroulez les cervicales, front au genou. Home 11, redresse, inspire, vers l'avant, vers le ciel. Home 12, expire, détends, relâche. Un petit peu plus fluide, inspire. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire. Vers l'avant, vers le sol. Home 4, recule jambe droite. Inspire, grandis. Home 5, planche. Coupe le tout. Home 6, expire. Genou, poitrine, front. Coude serré, omoplate serré, bassin surélevé. Home 7, inspire. Glisse, demi-cobra. Puis cobra complet. Pousse avec les mains. Home 8, expire, vais inverser, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Home 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, dessus du pied, inspire et grandissez. Home 10, ramène pied gauche, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire. Inspirez naturellement. Home 1, expire, main joint. Home 2, inspire, grandis. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Home 4, recule jambe gauche, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire, genou, poitrine, front. Home 7, inspire, demi-cobra et cobra. Home 8, expire, vais inverser. Home 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspire et grandissez. Home 10, ramène pied droit, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire. Inspirez naturellement. Home 1, expire, main joint. Home 2, inspire, grandis. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Home 4, recule, jambe droite, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire, genou, poitrine, front. Home 7, inspire, demi-cobra et cobra. Home 8, expire, vais inverser. Home 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez. Home 10, ramène pied gauche, expire en bas, rentre le nombril. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire, détends, relâche. Côté gauche, inspire. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Home 4, recule jambe gauche, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire, genou, poitrine, front. Home 7, inspire, demi-cobra et cobra. Home 8, expire, vais inverser. Home 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez.
Home 10, ramène pied droit, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire. Un peu plus rapide, inspire. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Home 4, recule jambe droite, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire, genou, poitrine, front. Home 7, inspire, demi-cobra et cobra. Home 8, expire, V inversé. Home 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez. Home 10, ramène pied gauche, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire. Inspirez. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Home 4, recule jambe gauche, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire, genou, poitrine, front. Home 7, inspire, demi-cobra et cobra. Home 8, expire, V inversé. Home 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Home 10, ramène pied droit, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire, le dernier cycle, inspire. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire. Home 4, recule jambe droite, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire. Home 7, inspire. Home 8, expire, V inversé. Home 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez. Home 10, ramène pied gauche, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire. Inspirez naturellement. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire. Home 4, recule jambe gauche, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire. Home 7, inspire, demi-cobra et cobra. Home 8, expire, V inversé. Home 9, ramène pied gauche, inspire. Home 10, ramène pied droit, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire, dernier cycle, inspire. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire. Home 4, recule, jambe droite, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire. Home 7, inspire, demi-cobra et cobra. Home 8, expire, V inversé. Home 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspire. Home 10, ramène pied gauche, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire, côté gauche, inspire. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire. Home 4, recule jambe gauche, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire. Home 7, inspire. Home 8, expire, V inversé. Home 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspire. Home 10, ramène pied droit, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire, détends, relâche. On reste en posture samatique, le dos bien droit. On ressent l'énergie qui circule dans tout le corps. On ferme les yeux, écoutez son cœur battre dans la poitrine. Ressentir l'énergie dans les plantes de pied. Dans le bas du dos, jusqu'au sommet du crâne, dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Écoutez votre cœur battre dans la poitrine. On abaisse la fréquence cardiaque avec une respiration complète, calme et douce. On inspire d'avant. Poitrine. Épaules. Expiration abdominale. Thoracique. Claviculaire. Une fois, bas avant, bas des poumons, milieu des poumons, haut des poumons, expiration abdominale, thoracique, claviculaire, bien à votre rythme, détendez le corps, ressentez vos appuis dans le sol. Écarte les pieds largeur de bassin. On entre bien le pied droit dans le sol, posture de l'arbre. Montez le genou gauche, on ouvre la hanche gauche à 90 degrés. Et on place la plante du pied gauche, soit au niveau de la cheville droite, soit au niveau du genou, talon au-dessus de la bosse du genou, soit un petit peu plus haut à l'intérieur de la cuisse. Peu importe la hauteur, on fixe un point loin vers l'avant ou vers le sol. On reste concentré sur un point, la hanche gauche bien ouverte. On ressent.
respire à la poitrine. Grandissez vers le ciel. Mental stable, respiration stable. Concentrez sur un point. Ressentez le sol, l'énergie de la terre. Tout monte vers le ciel. Pour ceux qui le souhaitent, fermez doucement les yeux, respirant la variation avec les yeux fermés. Restez concentré sur votre appui, pied droit dans le sol, pied gauche contre la jambe droite, main gauche contre la main droite. Grandissez encore vers le ciel, inspirez, montez. Et à l'expiration, ramenez vos mains en prière à la poitrine. Ne relâchez que les épaules et les bras. Maintenez votre genou gauche vers la poitrine gauche. Pour les variations du flex, gardez le pied flex. Laissez glisser la main gauche à l'intérieur pour projeter le gros orteil avec l'index, le pouce et le majeur. Les deux doigts, index majeur passe entre le gros orteil et l'orteil d'à côté. Une fois qu'on a crocheté le gros orteil, on peut tendre la jambe gauche devant, redresser le dos, activer le quadriceps, inspirer, monter un petit peu plus haut si possible. Et ouvrez la hanche gauche sur le côté gauche à 90 degrés. Et tournez la tête à droite pour prendre une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la poitrine. On ramènera la jambe gauche devant. Garde son équilibre, sa concentration, regarde vers l'avant. Relâche le gros orteil, on contracte le quadriceps, on prend d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. On replie et on relâche. On ancre directement le pied gauche dans le sol et on monte le genou droit. On ouvre la hanche droite à 90 degrés, on peut tourner un peu le nombril vers la gauche, bien activer le fessier droit. Placer la plante du pied soit au niveau de la chemise, soit au niveau du genou, talon sera au-dessus de l'articulation. Un petit peu plus haut, à l'intérieur de la cuisse, on appuie fermement sa plante du pied droit contre la jambe. Simplement vers l'avant, vers le sol, on reste concentré. Les mains en prière à la poitrine. On ressent les racines qui partent du pied d'appui qui s'enfoncent dans le sol, qui agrippent le sol, puis on monte vers le ciel. Observez votre souffle. Quelques secondes à l'inspiration. Quelques secondes à l'expiration. Fermez les yeux pour ceux qui le souhaitent, restez à l'intérieur de votre posture, concentré. Concentré sur le pied gauche dans le sol, main droite contre la main gauche, pied droit contre la jambe. Puis grandissez encore vers le ciel en inspirant, montez. Et à l'expiration, ramenez les mains ensemble. Appuyez plus ou moins fortement main gauche et main droite pour stabiliser la posture si besoin. Et relâchez juste les épaules et les pieds. Le genou droit passe à la poitrine. Vous pouvez saisir des deux mains pour monter. Gardez le genou droit avec la main gauche, libérez la main droite, glissez la main droite à l'intérieur. Projetez le gros orteil avec index majeur et pouce. Tendez la jambe droite devant vous. Inspirez, montez, contractez un peu le quadriceps pour mieux relâcher l'isque jambier. Et ouvrez la hanche droite sur le côté droit, 90 degrés, et tournez la tête à gauche, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la poitrine. Puis ramenez la jambe droite devant vous, contractez votre quadriceps, lâchez le gros orteil, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis repliez et relâchez. Ressentez vos deux appuis dans le sol, l'énergie qui circule dans les plantes de pied, les chevilles, les mollets, les cuisses, les fessiers, jusqu'au bout des doigts. Vous faites une bonne inspiration complète. Pour relâcher le corps, toujours le bas-ventre, la poitrine, les épaules. Et à l'expiration, on commence par le bas-ventre, on rentre le nombril, on relâche les côtes, et on relâche. Les mains en prière dans le dos, posture de la pyramide. Soit on amène directement les mains en prière dans le dos, si c'est l'idika, eh bien on attrape juste les poignets dans un premier temps, ou sinon les coudes, main gauche au coude droit, main droite au coude gauche. Sinon
maintenant vous rejoignez le bout des majeurs, des annulaires, des auriculaires. Vous montez bien vers les omoplates, vous pouvez garder le dos des mains dans un premier temps contre les omoplates. Et ensuite, sans cambrer le bas du dos, rétroversion du bassin, je resserre les omoplates pour resserrer mes paumes de main. Vous avez les pieds joints à l'avant du tapis. Recul d'un mètre, la jambe droite. Les deux jambes sont bien tendues, on garde le bassin de face. On n'est pas de côté, mais bien de face. Une bonne inspiration. Et on penche loin vers l'avant, on emmène le menton loin vers l'avant, absorber le nombril, sentez l'étirement dans le fessier gauche, dans l'ischio-jambier gauche, le dos parallèle au sol. Et pour ceux qui le souhaitent, on continue le chemin, on emmène le menton vers le pied gauche, peut-être même en enroulant les cervicales, le front vers le tibia gauche, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. On remonte en inspirant, loin vers l'avant le menton. Poussez bien dans vos plantes de pied, sentez que vous remontez à l'aide des plantes de pied qui agrippent le sol et ramenez le pied droit et on recule la jambe gauche, un mètre, le bassin bien de face, une bonne inspiration. Et on descend, on absorbe le nombril, on rentre le nombril, le dos bien droit, on sent l'étirement dans le fessier droit, l'ischio-jambier droit, la colonne vertébrale s'allonge parallèle au sol. Puis on peut continuer un petit peu plus loin vers l'avant, comme si le menton allait vers le pied droit, on enroule les cervicales, le front vers le tibia droit pour ceux qui le souhaitent, en gardant les mains en prière dans le dos, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis on remonte en inspirant. Poussez bien dans vos plantes de pied, entrez dans le sol et ramenez le pied gauche et expire. On relâche doucement les mains, on récupère ses bras, ses épaules, ses avant-bras, ses poignets. On fait le mouvement du 8 de l'infini, pour bien relâcher dans un sens et dans l'autre sens. Quelques cercles avec les mains dans un sens, dans l'autre sens, les doigts bien écartés les uns des autres. Quelques moulinets de poignets, les mains pour entrecroiser dans l'autre sens. Les bras se tendent, on agite les mains de profil, on détend bien les doigts. Et même chose de haut en bas, faire relâcher. Et quelques ouvertures, fermetures, vous fermez les poings et vous ouvrez les doigts. Remettez la circulation tendue jusqu'au bout des doigts. Les bras bien tendus. Et les doigts bien ouverts. Jusqu'au bout des doigts. Lionel. Et on relâche, on détend. Ressentez l'énergie dans les paumes de main, dans les poignets, dans les avant-bras. Les doigts sont en picotement, de chaleur, de fraîcheur. On reste en appui sur le pied droit, la cheville gauche, sur le genou droit. Le genou gauche ne reste pas vers l'avant, on l'incline, on l'emmène vers l'arrière, on ouvre l'adducteur au maximum et la hanche gauche vers l'arrière pour pousser le genou gauche vers l'arrière. On va garder les mains devant et on va fléchir le genou droit, emmener le fessier droit vers l'arrière. On va venir étirer hanche gauche, fessier gauche. On emmène les fessiers loin vers l'arrière. La cuisse droite est quasiment parallèle au sol. Et on emmène le dos presque à plat pour emmener la poitrine vers le tibia. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la poitrine. Puis remonter en inspirant. Et relâchez et expirez, détendre. Côté gauche, même chose, cheville droite au-dessus du genou gauche. On ouvre le genou au maximum vers l'arrière. Les mains devant, je fléchis la jambe gauche, je laisse descendre mes fessiers vers l'arrière comme si je m'asseyais en chaise. La cuisse gauche est quasiment parallèle au sol. Et je penche loin vers l'avant avec le bout des doigts. J'emmène mon nombril vers mon mollet. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis je remonte en inspirant et je ramène le pied droit. J'expire, détends, relâche. Je ressens l'énergie dans mes fessiers, dans mes hanches, dans mes cuisses, dans mes jambes. Ressentez votre posture, votre ancrage, respiration.
cardiaque, avec des respirations longues, profondes, complètes, calmes. Placez vos pieds sur la même ligne, bien ouverts, avec les orteils du pied droit vers la droite qui sortent quasiment du tapis. Et les orteils du pied gauche qui sortent également du tapis. On essaie de garder les jambes à 180 degrés, les pieds à 180 degrés qui partent à droite et à gauche et on fléchit. On va placer les mains sur l'intérieur des genoux, pas sur les genoux mais à l'intérieur des genoux. Et on va pencher un peu le buste vers l'avant pour commencer à sentir, en mettant les cuisses parallèles au sol, l'ouverture au niveau des adducteurs. On va rentrer l'épaule droite à l'intérieur comme si on voulait pousser avec la main droite l'intérieur du genou droit vers l'extérieur. Comme si on voulait regarder à gauche, on rentre l'épaule droite à l'intérieur, on tend bien le bras droit pour pousser la jambe droite, la cuisse droite à s'ouvrir vers l'extérieur. Une bonne inspiration, une bonne expiration. Même chose de l'autre côté, on pousse bien avec la main gauche à l'intérieur, on regarde à droite, on rentre l'épaule gauche et on pousse le bras gauche tendu. Main gauche sur l'intérieur du genou gauche, pour ouvrir la hanche gauche vers l'extérieur. Vous tendez une bonne inspiration et une bonne. On pousse avec les deux mains. Les épaules peuvent monter vers les oreilles. On pousse avec les bras. Le corps se penche un petit peu vers l'avant et sentez l'ouverture au niveau des adducteurs en poussant bien sur l'intérieur des genoux. Vous tendez une bonne inspiration et une bonne expiration. Essayez de garder l'écart maintenant en remettant le dos droit, en gardant la rétroversion du bassin et en emmenant les mains en prière à la poitrine. On reste ici tonique au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, au niveau du nombril qui rend stable sur ses plantes de pied. Pour ceux qui le souhaitent, on ira sur les bols de pied. On tendra pour mettre le dessus des pieds dans l'axe des tibias pour la posture complète. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis repoussez sur les bols de pied. Inspirez, montez. Et ramenez vos jambes. Pied droit, pied gauche. Et ressentez l'énergie dans vos hanches, dans vos adducteurs, dans vos cuisses, dans vos fessiers. Détendez le corps avec la respiration. Bien le nombril, serrez les cuisses, les genoux, descendez les fléchés le plus bas possible, gardez peut-être les aisselles au-dessus des genoux, emmenez les doigts loin vers l'avant pour contrebalancer le poids des fessiers qui vous mènerait vers l'arrière. Puis on va essayer de poser les fessiers le plus proche possible des talons, qui pourra ouvrir les genoux et venir poser les fessiers le plus doucement possible, le plus proche possible de ces talons. Les plantes de pied restent ensemble, on attrape les chevilles, les talons restent le plus proche possible des fessiers, on pousse avec le coude droit sur la jambe droite, avec le coude gauche, sur la cuisse gauche, jusqu'au genou. On sépare, on ouvre encore les hanches, comme dans la posture précédente. On redresse le dos, on vient attraper les orteils quelques instants avec les doigts entrecroisés, quelques mouvements de papillon. Petit mouvement d'abduction, on met de l'énergie dans les fessiers et dans l'extérieur des cuisses pour venir plaquer un petit peu plus les genoux vers le sol. Puis on entrecroise les avant-bras, les pouces vers le bas, des fois changés, ayez la main droite au-dessus ou la main gauche en dessous, ou inversement. On attrape les chevilles, on tire les talons vers les fessiers, on plaque les cuisses, les genoux vers le sol, on redresse le dos, les épaules, on avance le nombril vers les poignets, les bras se tendent, tire sur les chevilles, peut-être même les chevilles décollent un petit peu du sol, et surtout on rapproche le nombril des poignets et les poignets du nombril. Le temps d'une bonne inspiration. Puis relâchez, on ouvre les plantes de pied, pousse à l'intérieur, doigts sur les tranchants externes, on tourne les plantes de pied comme un lit qui ne veut pas s'ouvrir, on ouvre au maximum, on reste le plus droit possible, mouvement d'éversion des chevilles, puis on tire sur ces plantes de pied, ces coups de pied pour ramener, décoller les tranchants externes, pieds faire décoller
de ramener les orteils vers le bas-ventre, de ramener le nombril vers les orteils. Sentez l'étirement dans tous les muscles du pied, de la cheville, de temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis relâchez, laissez les tibias s'entrecroiser, reculez les fessiers, faites un tailleur bien large, les pieds sont quasiment sur les côtés du tapis. Si on est à l'aise dans cette posture, placez dès à présent peut-être votre pied gauche par exemple, soit à la base de votre genou droit pour avoir les tibias non pas croisés en leur milieu mais l'un sur l'autre, soit à la base du genou, soit même un petit peu plus haut sur le genou. Pas grave si le genou gauche se surélève. Légère antéversion de bassin, les doigts vers l'avant et on commence la descente. Une bonne inspiration, gardez le menton haut. Relâchez les hanches, relâchez les fessiers, relâchez les cuisses et gagnez du terrain avec la main gauche, avec la main droite. Toujours avec l'inspiration et l'expiration, ne coupez pas le souffle. Et quand vous êtes au plus loin, et bien relâchez les épaules et la tête, peut-être enroulez les cervicales, emmenez le front vers le sol et continuez les phases d'inspiration pour mettre de l'espace. Quand le bas-ventre se gonfle, gonflez les cuisses, gonflez les fessiers, gonflez le bassin, partout cela tire, cela bloque. Et à l'expiration, on apporte du relâchement, on évacue les tensions, on accepte les douleurs, les sensations d'inconfort dues à l'étirement. Continuez à inspirer, d'allonger la colonne vertébrale vers l'avant, d'emmener la poitrine vers les tibias, vers les mollets. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la posture. Apporter le relâchement, évacuer les tensions, apporter de l'acceptation, relâcher tout le but et tout le corps. Gentiment, main gauche, main droite. Changez le croisement des jambes, placez la jambe droite sur la jambe gauche. Variation plus complexe, on met le pied droit à la base du genou gauche, ou même encore, quand on emmène le pied droit sur le genou. Les tibias sont l'un au-dessus de l'autre, tout se trouve en leur milieu, on va faire un tailleur bien large. Les doigts vers l'avant, légère antéversion de bassin, la rétroversion. De l'air là où ça tire, dans le bas du dos, dans les fessiers, dans les hanches. Continuez d'avancer avec les doigts de la main droite et de la main gauche, d'apporter du relâchement aux épaules, à la nuque et la tête, peut-être que le front ira vers le sol. Détendez le corps. Continuez d'inspirer profondément, d'emmener de l'espace là où ça tire. Et à l'expiration, d'apporter du relâchement, de la détente, d'évacuer les tensions, apporter de l'acceptation. Inspirez, sentez l'espace qui se crée, emmenez de l'air dans le bas du dos, dans les fessiers. Relâchez tout le corps à l'expiration. Gonflez le bas-ventre et le bassin à l'inspiration, à l'expiration, emmenez les doigts encore un petit peu plus loin, allongez encore la colonne vertébrale, emmenez la poitrine vers les mollets. Puis relâchez doucement, retournez main gauche, main droite. Remettez le dos droit,
relâcher les mains à hauteur de genoux. Puis on va aller progressivement dans la posture du V. On va décoller d'abord les deux pieds du sol. Puis les tibias parallèles au sol. Et pour ceux qui le souhaitent, posture complète. Les jambes à 45 degrés également. Les orteils flex. Et on active ici pour 6. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche doucement. Contrôlez votre descente. Écartez les jambes pour Shavasana. Les orteils tournés vers les extérieurs. Les mains devant. Rétroversion du bassin. Pose en douceur. Moyen fessier. Haut des fessiers. Le bas du dos, puis vertèbre par vertèbre, en rentrant bien le nombril, contractez le transverse, posez doucement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La tête en dernier, paume de main tournée vers le ciel. Et décontractez tout le corps. Observez votre souffle, le bas-ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et qui se dégonfle à l'expiration. Exercice pour les jambes, je resserre les deux jambes, pied flex, les mains à côté des fessiers, paume vers le sol. Je rétroversionne mon bassin pour placer les lombaires dans le sol au maximum. J'ai les pieds flex au maximum en contractant les cuisses, verrouille les genoux, l'avant des tibias. Les talons peut-être décollent déjà du sol. Je monte la jambe gauche en inspirant sur 3, 2, 1, talon vers le ciel et j'expire gauche, descends 3, 2, 1. J'inspire droite, je monte 3, 2, 1 et j'expire droite, descends 3, 2, 1. J'inspire gauche, je monte 3, 2, 1 et j'expire gauche, descends 3. J'inspire droite, je monte 3, 2, 1, et j'expire droite, descends 3, 2, 1. Toujours les pieds flex des deux jambes, je monte gauche, 3, 2, 1, j'expire gauche, 3, 2, 1, encore à droite, je monte 3, 2, 1, et j'expire droite, descends 3, 2, 1. Je monte les deux jambes ensemble, j'inspire sur 3, 2, 1. Et je contrôle la descente, j'expire doucement en rentrant bien le nombril, en plaquant les lombaires au sol. J'arrête de descendre si les lombaires se décollent du sol. 2, 1, j'inspire, monte sur 3, 2, 1, et j'expire, descends sur 3, 2, 1, j'inspire, monte sur 3, 2, 1, et j'expire, descends sur 3, 2, 1, encore deux fois, j'inspire, monte 3, 2, 1, et j'expire, descends sur 3, 2, 1, dernière fois, je monte, j'inspire 3, 2, 1, et j'expire doucement sur 10, 9, 8, 7, 6, 5 à la moitié, 45 degrés, nombril bien plaqué au sol, puis 4, 3, 2, 1, et j'écarte les jambes, paume de main tournée vers le ciel, je relâche en Shavasana. Je détends mes abdominaux profonds, je détends mes fessiers, mes lombaires, mes deux jambes. J'observe mon souffle, l'air qui passe par le bord des narines à l'inspiration. Et qui s'échappe du bord des narines à l'expiration. On resserre les deux pieds, on monte les deux jambes vers le ciel. Puis vous ouvrez les jambes sur les côtés, vous pouvez mettre les mains sur l'intérieur des genoux, vous relâchez les adducteurs, vous relâchez les hanches, vous laissez les jambes s'écarter au maximum sur le côté droit et sur le côté gauche. Quand vous êtes placé au plus bas, vous faites des petites oscillations à droite à gauche pour emmener le tranchant externe du pied droit vers la droite. Tranchant externe du pied gauche, peut-être vers la gauche.
Passez vos fessiers, laissez l'ouverture se faire. Détendez les hanches. Puis on va fixer la posture. Contractez un petit peu les jambes, pieds flex. Rentrez le nombril, décollez les épaules et la tête. Gardez les mains devant un instant le plus loin possible. Puis les mains vont venir au-dessus des genoux. Et ici, on va appuyer avec les mains, mais quand même resserrer les jambes. Donc on active ses adducteurs, mais on empêche avec les épaules et les bras la fermeture des jambes. Mais les jambes se ferment quand même. Donc progressivement, les jambes vont gagner sur la fermeture, mais on empêche. Donc les adducteurs travaillent à la fermeture des jambes. Fermez les deux jambes, les mains viennent parallèles au sol, on a toujours le menton vers la poitrine, on n'est que sur les lombaires. On descend les jambes progressivement pour la posture du bateau sur le dos. Si les lombaires se creusent, on ne descend pas plus les jambes, sinon on peut mettre les jambes, les pieds en face du visage. Ici on tangue, quand les jambes bougent, le buste accompagne légèrement, on rentre fort le nombril, le bateau tangue. Puis on fixe la posture et on reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène devant en expirant. On replace les pieds, pieds flex. On décolle la peau des fessiers. On rapproche déjà le nombril. On exagère l'antéversion du bassin pour projeter le bas-ventre vers les cuisses, autour du bâton, autour du crâne, grandit vers le ciel. Paschimottanasana, je grandis vers le ciel. Les pouces projetés, biceps à l'arrière des oreilles, les doigts montent vers le ciel. Une bonne inspiration. Première expiration, 45 degrés, le menton haut dans l'axe des doigts. J'allonge ma posture et vers le ciel et vers l'avant. Je reprends une inspiration en gonflant le bas-ventre. Je peux activer mes quadriceps, garder les pieds flex. Expiration suivante, je vais à l'horizon. J'essaye d'allonger la posture encore un petit peu plus, toujours le menton haut. J'inspire encore, gonfle bas-ventre. Et expire, va chercher le plus loin possible, peut-être les orteils, bas des tibias, talons. Si on est à l'aise avec les orteils, on a les jambes bien tendues, on place les doigts à l'extérieur, on entrecroise les doigts derrière les pieds. Si on est à l'aise avec les doigts qui entrecroisent derrière les pieds, on vient chercher un poignet, par exemple pousser index par-dessus le poignet droit, soit la base du poignet, soit tout le poignet. Et on va relâcher les épaules et la tête pour rentrer dans la posture complètement. Emmenez vos coudes vers le sol, quelle que soit la hauteur des coudes, descendez-les dans le sol. On inspire trois fois, on va doubler l'expiration par rapport à l'inspiration. Gonflez le bas-ventre, on inspire sur 3, 2, 1. Et on expire sur 6, 5, 4, 1, 2, 1. Inspirez, gonflez le bas-ventre, 3, 2, 1, et expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1, gardez les tranchants internes des pieds ensemble, inspirez, gonflez, 3, 2, 1, et expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1, on grandit loin vers l'avant. Inspirez, 45 degrés, puis vers le ciel, grandissez. Et à l'expiration, relâchez, les mains se positionnent sur la ligne derrière, positionnent derrière les fessiers, mais écartez largeur d'épaule, les doigts orientés vers les pieds. On resserre les omoplates et on descend les épaules pour que les mains et les paumes de main touchent le sol. On peut écarter avec les mains le tapis vers les extérieurs pour rapprocher encore un peu plus les omoplates, cacher les épaules dans le dos. Tirez vos épaules vers l'arrière et dans votre dos. Inspirez, gonflez la cage thoracique, sortez la poitrine vers l'avant. En gonflant d'air, vous accentuez l'étirement, les omoplates passent par-dessus la colonne vertébrale pour se rejoindre. Et après l'expiration, relâchez doucement les épaules, réapparaissent. Contre-posture de Paschimottanasana, posture du plan incliné, on recule les mains d'une quinzaine de centimètres. Incline vers l'arrière, toujours les omoplates resserrées vers l'arrière. On va prendre appui sur les paumes de main, tendre les pointes de pied vers le sol et décoller le bassin du sol.
plan incliné, on essaie d'emmener les plantes de pied dans le sol et la tête vers l'arrière. On restera là pour 10, activer surtout l'arrière des cuisses et des mollets. Faites le dos rond et déposez le dos et la tête en dernier, paume de main tournée vers le ciel. Détendez tout le corps, relâchez bien les épaules, les bras, les poignets, les mains, les doigts. Détendez le dos, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, les plantes de pied. Et tout l'avant du corps, poitrine, abdomen, les hanches, psoas, quadriceps, genoux, l'avant des tibias, les coups de pied jusqu'aux orteils. Toutes les cellules du corps respirent. À l'inspiration, vous emmenez de l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et à l'expiration, vous apportez du relâchement dans tout votre corps. Resserrez les deux jambes. Inspirez avec les deux mains loin vers l'arrière. Grandissez-vous. Une bonne inspiration, puis avec les doigts qui pointent vers l'avant, décollez d'abord les épaules et la tête. Rentrez le nombril. Et avec la rétroversion du bassin, en activant le transverse, en rentrant le nombril, vous montez doucement, progressivement. Utilisez une jambe si besoin, montez une jambe. Sur les genoux à l'arrière de tête. Fessiers sur les talons, posture zen, Vajrasana. Vous pouvez adopter le mudra du Bouddha, le dos de la main droite sur la paume de main gauche, les coudes joints, le bas-ventre. Bonne inspiration et une bonne expiration, gardez votre colonne vertébrale bien droite, tirez vers le ciel, gardez la rétroversion du bassin. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler. Allez. Posture du héros, on décolle les fessiers, les sur les côtés, on tourne les mollets vers les extérieurs quand vous vous sentez prêt et on va rasseoir les fessiers petit à petit. On est bien sur le dessus des pieds, pas sur l'intérieur des tranchants internes. Gardez les mains au sol pour ceux qui le souhaitent, pour garder les fessiers petit à petit, aller vers le sol. Visualisez l'énergie qui passe dans les genoux. À l'expiration, on détend, voilà. On peut garder la posture, faire le héros allongé, vous allez mettre vos mains un peu plus loin vers l'arrière et tout doucement essayez de commencer à déposer le bas du dos. On pourra commencer en essayant de placer peut-être les doigts au niveau des orteils, au niveau de la plante de pied, pour venir poser le coude droit et poser le coude gauche pour laisser détendre, étirer le quadriceps.
c'est de ne pas trop cambrer le bas du dos. Et progressivement descendre encore un petit peu plus. Peut-être tout le dos. Dans le sol. Le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration. Puis pour remonter, on repassera d'abord sur les coudes. Puis sur les mains. Puis on repoussera le sol et on repassera dans la posture. Des mains pour décoller les fessiers, ramener progressivement les deux tibias l'un contre l'autre et vous rasseoir fessiers sur les talons. Visualisez l'espace que vous avez créé dans vos cuisses, dans l'intérieur des genoux. La posture Vajrasana est confortable. Posture du chameau. Vous écartez les tibias et les genoux largeur de bassin. Gardez les pieds dans le sol. Placez les pouces sur les crêtes iliaques, commencez à engager le bassin doucement vers l'avant. Décontractez le bas du dos, on va travailler sur la concavité du dos. Et commencez à regarder le ciel tout en ayant le sommet du crâne qui tire et vers le ciel et vers l'arrière. Les omoplates peuvent se rapprocher, on pousse les hanches. On crée de la concavité dans le bas du dos comme si un fil tirait au niveau du plexus, au niveau du cou vers le ciel. Inspirez, expirez dans la posture. À tout moment, quand vous revenez de la posture, poussez un peu les hanches vers l'avant pour sentir que c'est d'abord le plexus qui se projette vers l'avant, puis le haut de la poitrine, puis le cou, puis enfin le ventre. Quand on veut aller plus loin dans la posture, on reprend et on emmène la tête complètement vers l'arrière. Donc on pousse les hanches vers l'avant, on reprend son regard vers le ciel et on va ouvrir le cou au maximum pour relâcher complètement la tête. Détendre les cervicales et laisser s'ouvrir la poitrine, garder le dos concave, pousser sur le haut des fessiers les hanches vers l'avant. On inspire, expire dans la posture. Si on va aller un peu plus loin, on peut laisser glisser la main droite pour avoir le bout des doigts de la main droite au-dessus du talon droit. Puis peut-être le bout des doigts de la main gauche au-dessus du talon gauche, on peut essayer avec une main ou avec l'autre main. À tout moment, quand on a reculé un peu les fessiers, on essaie de ravancer le bassin vers l'avant. Et pour ceux qui sont à l'aise dans cette posture, eh bien attrapez les chevilles, les pouces à l'intérieur. On écarte un peu les genoux, Jonathan. Pousse les hanches vers l'avant, le regard vers l'arrière, on décontracte les psoas également. Soit les pouces à l'intérieur, si on est à l'aise avec les pouces à l'intérieur, on mettra les pouces à l'extérieur pour la posture complète. Bien les hanches vers l'avant, vers les épaules ouvertes. Le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration. Pour ramener, les hanches vont vers l'avant, puis le plexus, puis le cou, puis le rond. Détendez, relâchez. Si on va aller sans les mains, posture complète, on peut garder les mains sur les cuisses dans un premier temps. Gardez les hanches vers l'avant, c'est pas comme pour la posture du héros, on ne part pas les fessiers d'abord vers l'arrière pour étirer les quadriceps, mais on emmène la tête vers l'arrière, on crée cette concavité naturellement avec la tête vers l'arrière, et ici c'est le sommet du crâne, tout en poussant les hanches vers l'avant, qui va essayer de rejoindre le sol. Donc on va pas forcément trop loin, on teste un petit peu au début, vers là où on va, et petit à petit on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Et de ramener à l'aide des jambes
vers là. Je voulais tester. On peut aider un petit peu pour voir. Allez, progressivement. Dans la posture du lièvre pour étirer les lombaires, pour remettre de la convexité. Posture du lièvre, c'est comme la posture de l'enfant, mais avec les deux mains loin vers l'avant. On emmène les fessiers loin derrière les talons. Le sommet du front au sol, les mains loin vers l'avant. Quand les fessiers sont sur les talons, détendez bien, gonflez le bas-ventre. À l'inspiration, emmenez de l'air dans le bas du dos et dans le bassin. Et à l'expiration, apportez du relâchement, détendez tout le corps. Puis repoussez doucement le sol, main gauche et main droite pour redresser votre posture. En vue de la posture Sirshasana, posture du dauphin, poignet droit à coude gauche, poignet gauche à coude droit, tension s'étape. Et on fait le dauphin, 30-40 cm devant les genoux. Un point avec les mains, les doigts entrecroisés. Gardez bien les avant-bras relativement serrés pour que les coudes soient toujours plus serrés que la largeur de vos épaules. Passez sur le bol des pieds, appuyez bien avec les coudes, les avant-bras et le poing. Montez le bassin vers le ciel, gardez les jambes bien tendues. À l'expiration, c'est le menton qui descend en diagonale vers le poing. Ou au-delà, et à l'inspiration, je pousse sur les avant-bras, mon bassin monte vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux, on essaie de dépasser la ligne des biceps avec les oreilles pour ouvrir les aisselles au maximum et bien pousser sur les avant-bras. Rentrez bien le nombril, expirez vers l'avant et inspirez, poussez sur les avant-bras. C'est d'emmener vos talons également dans le sol. 3 à 6 allers-retours, peu importe le nombre de répétitions, peu importe la vitesse d'exécution ni l'amplitude. Avant de se relâcher, quand vous le souhaitez, dans la posture de l'enfant. On expire vers l'avant et on inspire en poussant sur les avant-bras. Posture de l'enfant, fessiers sur les talons, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Plutôt le sommet du front au sol que le front complet pour avoir la nuque dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. On inspire, on gonfle le bas-ventre à l'inspiration sur les cuisses et on détend à l'expiration. Laisse le sang circuler à l'horizontale, on apporte le relâchement à la ceinture scapulaire, aux épaules. Pour ceux qui le souhaitent, on peut faire soit une deuxième série, soit se préparer à la posture complète. Pour la posture complète, ce sera le même démarrage. Les coudes qui se placent. Le poing avec les mains, mais les poignets qui s'ouvrent. On place le sommet du crâne, on rencontre bien le menton pour avoir le sommet du crâne au sol, mais la nuque bien droite. Les mains ne sont plus là que pour être derrière la tête. Les épaules loin des oreilles pour garder un appui sur les avant-bras, ne pas mettre tout le poids sur la tête. Puis on décolle le bassin vers le ciel, on absorbe bien le nombril. Et en avançant les pieds le plus proche possible du visage, le dos se met dans l'axe de la nuque. Et ensuite, on passe sur le bol des pieds, voire le bout des orteils, en absorbant le nombril et en commençant à redresser les lombaires. Les pieds vont décoller du sol, soit les deux jambes ensemble, soit un genou puis l'autre. On amène à la poitrine.
Et ensuite, les genoux montent vers le ciel, toujours les talons aux fessiers. Et enfin, les pieds qui montent vers le ciel. Quand on sera à l'aise dans la posture sur la tête, soit on reste dans la posture, soit on commence à apprendre quelques oscillations avec les pieds qui vont un petit peu vers l'avant quand le bassin va vers l'arrière, puis les jambes qui vont vers l'arrière quand le bassin va un peu vers l'avant. On pourra aussi travailler les variations avec une jambe devant, une jambe derrière, d'un côté et de l'autre. Les plantes de pied ensemble pour la posture du losange, les cuisses, les genoux fléchis. Les demi-torsions, plus de poids sur un coude, on fait pivoter le bassin d'un côté et de l'autre. Puis la posture écart, pour laisser la pesanteur faire au niveau des adducteurs, des hanches. Au niveau de l'ouverture, il viendra le moment de travailler le scorpion avec les transfers internes qui se touchent, les cavités du dos et des lombaires comme dans le chameau, la posture précédente, les jambes bien relâchées, les paumes de main au sol. Et ici je vais redresser la tête en prenant appui sur les coudes, en ramenant les épaules au-dessus des coudes, en prenant appui sur les coudes. Sur les jambes pliées, sur les jambes tendues. Et je peux revenir en variation du poisson avec la poitrine vers les mains, le menton relevé et je roule pour revenir. Certains veulent un coup de main pour une des variations, pour être dans la tête, sur la tête, pour utiliser le dauphin, passer dans le scorpion. Thank you.
demi-lotus et lotus en fonction de l'ouverture des hanches, que ça ne tire pas sur les genoux, que ça fasse un peu de gauche sur la cuisse droite. Travailler le lotus et être à l'aise en lotus pour de temps en temps travailler avec les mains au sol, essayer de surélever un petit peu le lotus en rentrant le nombril. Bien droit, épaules relâchées, les mains en chimudra, pouce index connecté, dos des mains sur les genoux, sur les cuisses. Stocke l'énergie de sa séance avec une bonne inspiration et une bonne expiration. Trois fois le son de paume, on inspire pour vibrer paume. Merci Lionel, à bientôt.